Petit 2, la courbe de Lorentz. Donc la courbe de Lorentz. Alors, la courbe de Lorentz, on va construire d'abord ce qu'on appelle des pourcentages cumulés. D'accord? Donc les pourcentages cumulés, c'est très simple, c'est une simple addition. Donc, quelle est l'idée? Et là, il faut que vous compreniez ce tableau. Il faut que vous compreniez ce tableau. Donc, j'ai des tranches. Alors là, 0%, 10%, 20%, 30%, etc., etc. OK? Ici, vous avez les euros de revenus disponibles, hein, en 2014. Ça, la date n'est pas importante. Donc, vous avez les euros ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 10% les plus pauvres ont un revenu, ok, disponible. Alors, là, la question, ont un revenu disponible de 11 000. Oui, bah alors en fait, vous savez quoi? On va commencer par ça. Faites une phrase avec chacune des données soulignées dans la colonne 2 et la colonne 3 pour s'entraîner à lire. Ok? Alors, un réel conseil que je vous donne, moi, c'est le problème, c'est que souvent les tableaux, on a un peu de mal à les lire. Donc moi, je vous conseille vivement, personnellement, ça évite que je me trompe, de faire une échelle comme ça, 0, 100, et ça évitera de vous planter en ne sachant pas si vous avez affaire à des déciles pointés ou à des déciles moyens. On va voir qu'il y a une façon très simple de le savoir, d'accord? Alors, donc, si on y va sur, si on y va sur, alors, hop, tac, donc 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on est à peu près bon. Donc là, on est d'accord, c'est D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Ok. Alors, on va voir là où est-ce que je les place. D'accord? Bah, en fait, c'est pas compliqué. Vous avez simplement à compter le nombre. Ok? Là, combien est-ce que je vais avoir de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on est d'accord que si j'ai 9 données, je ne peux pas les placer au milieu. Pourquoi? Parce que regardez, ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Vous avez 10 données ici. Okay? Donc, ça veut dire que, évidemment, hein, j'ai. C'est des tranches de 10. Mais ici, je n'en ai que 9. Donc, ce sont les frontières, mes fameuses frontières. D'accord? Donc, c'est une façon assez simple de savoir ça. Mais, pour ne pas vous planter, un petit passage comme ça, à l'écrit, enfin, sur une... sur pas une frise, une ligne comme ça, là, ça évite tout problème. Et on sait, du coup, directement ce qu'il en est. D'accord? Donc, si vous voulez, on ne va pas toutes les noter, hein, mais on voit qu'en fait, ici, ce sont donc mes valeurs pour mes déciles pointés. Donc, on a ici 11 477, ok? Je vais marquer le D3 qui est ici, donc, à 17 581. Et on va marquer le D10, si vous voulez, à 49 500. 64. Ok, d'accord. Alors, en revanche, ici, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah oui, désolé, si on zappe celle-ci, d'accord, on va avoir là 10 données. Donc, en revanche, ici, ça va être mes moyennes pour chaque groupe. Alors, je vais les mettre en, donc,
Pour pas me planter, je commence ici. Donc 24,7. Ensuite 15,2. 12,5. 10,7. 9,2. 7,9. 6,7. 5,5. 5,5. 4,5. Et 3. Ok. Et donc nous, on est d'accord. On va devoir faire une phrase avec cette donnée-là, avec cette donnée-là et avec cette donnée-là. Ok. Donc on y va pour les phrases, d'accord? Et ensuite, on calculera donc nos pourcentages cumulés, d'accord? Et les pourcentages cumulés, je les marquerai ici, mais je vais vous expliquer, c'est important d'avoir ça pour comprendre à quoi correspond le pourcentage cumulé. Alors, si on commence avec ce 17 581, donc c'est le revenu disponible. On va expliquer dans le cours ce que c'est que le revenu disponible, et on est donc en 2014. Ok. Donc, comment est-ce que je le lis? Quelle est la façon de le lire? Bon, comme d'habitude, je vous ai dit, on a deux façons. On est d'accord que c'est un décile pointé, un décile barrière. Donc, ça veut dire que ce sera forcément une lecture en minimum, excuse-moi, en maximum, si je le lis comme ça. D'accord? Si je le lis comme ça, on est d'accord que c'est le max. Et on est d'accord que ce sera une lecture en minimum si je le lis comme ça. Là, ce sera le minimum. OK? Bon, on va faire les deux, hein, c'est pas compliqué. Alors, on y va. Donc, faites une phrase avec chacune des données. Donc, question 1. On est sur le 17 581. OK? Comment on peut le lire? Donc, on va faire d'abord comme ça. Donc, on peut dire que 30, donc 1, 2, 3, 30% des ménages gagnent. Alors, c'est le maximum, gagnent au maximum. Donc, au maximum. Ça veut dire que ça va être moins 2. Hein. Si c'est le maximum, c'est moins 2. 17 581 euros par an. D'accord? Je fais en sens inverse. OK? Après, j'en fais 3 ou 4. Donc là, si je le lis en sens inverse, c'est plus 30%. Mais c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 70% des ménages gagnent. Alors attention ici, c'est au minimum ou plus de 17 000. OK? Autre façon de lire. Le revenu disponible max des 30% des ménages les plus pauvres est de 17 000, etc. D'accord? Ou, en sens inverse, le revenu disponible minimum des 70% des ménages les plus riches est de, etc. OK? Voilà. Donc, sur ça, on est bon. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que ça représente, ces 3%? Ces 15%, d'accord. Bah, en fait, ces 3% et ces 15%,
c'est la part, donc on est d'accord, le revenu disponible, hein, si on prend 100% des ménages, 100% des ménages, on va avoir 100% de mon revenu disponible. Bon, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc là, mes 10%, qui sont compris entre 0 et 10, ils détiennent 3% du revenu disponible total. Ça veut dire que ces 10% ici, au passage, entre D9 et, enfin, entre 90 et 100% des ménages, hein, donc ça me fait 10%, ils détiennent 24% du revenu disponible. D'accord? Alors, donc, c'est l'idée. Hein. Donc, on va, là, la phrase, vous allez voir, est tout aussi simple, mais bon, on va la faire, on va la faire rapidement. C'est pas très beau. Pourquoi? Parce que, en fait, vous comprenez bien, là, si je veux isoler ça, je vais dire que c'est les ménages qui sont compris entre ça et ça. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors. Donc là, on est d'accord, pour isoler ça, c'est les ménages qui sont compris entre ces 30%-là et ces 60% ici. Alors, donc, je le fais, mais voilà, un peu. Donc, on va faire une fois une phrase très longue et ensuite on fera D7, D9. C'est pas bien, mais de toute façon, vous n'aurez pas à lire ça. Vous allez voir, on va voir comment on s'en sert de ça. Donc, les ménages compris entre les 30% les plus pauvres, ou les moins riches, hein, ça je sais jamais comment dire, les plus pauvres, et les 60% les plus riches détiennent 6,7% du revenu disponible total. OK? Donc, si on veut faire pour cette phrase-là, d'accord, ça va être qui? Ça va être mes ménages compris entre les 80% les plus pauvres et les 10% les plus riches détiennent 15,2% du revenu disponible total des ménages. Ok. Alors, petite hypothèse, question 2. Question 2. Quelle devrait être la redistribution, la distribution, excusez-moi, du revenu disponible si elle était égalitaire? Combien la petite le truc vert là, il faudrait qu'il soit de combien pour que on ait une distribution qui soit égalitaire? D'accord? On est d'accord, là c'est pas égalitaire. Eux ils ont 3, ils ont 9 et eux ils ont 24. Donc c'est pas égalitaire. Il faudrait que ce soit des parts de revenus disponibles de combien? Ben, c'est pas compliqué, hein. Si vous avez un effectif de 100 et que vous devez le diviser en 10, d'accord? 100 divisé par 10, ça me fait 10%. OK? Si, imaginons que là, au lieu d'avoir du 3, j'ai 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ça voudrait dire qu'on a un revenu qui est revenu disponible qui est réparti de façon égalitaire. Mais 10% les plus pauvres ont 10% du revenu. Les suivants 10% et les 10% les plus riches sont 10%. OK? D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, ensuite, maintenant, on va compléter la troisième colonne. Alors, on y va. Alors, compléter la troisième colonne. Hop là. Hop. Donc, on va faire ce qu'on appelle des pourcentages cumulés. Bon, bah, il n'y a pas de rien de pourcentage cumulé, ce sont des simples additions en fait. Alors, allons-y pour mes pourcentages cumulés. Donc, je vais le faire en rouge. Donc, on est d'accord que mes 10 premiers pourcents, hein,
Bon, bah, ils détiennent 3%. D'accord? Ensuite, pour calculer le suivant, pour calculer sur mes 20%, là, on est d'accord qu'on fait 3 plus 4,5, ce qui me donne égal 7,5. OK? Ensuite, pour les suivants, on fait 3,5 plus 9, excusez-moi, c'est un, j'ai mal écrit, c'est un 5,5. 5,5, donc 7,5 plus 5,5, ça me donne donc 13. D'accord? Pour 100. Ok? On continue. Hop, là je m'arrête. Ici, on va donc avoir 13 plus 6,7, ce qui va me donner donc 19,7%. Ok? Au passage, ça, donc là, oui, là c'est 0, hein. Ici c'est 0, ok? Et ensuite, c'est les chiffres, ils sont, c'est ceux que je marque en dessous. Donc, on continue. Tac, donc, plus, hop, ça va me donner donc 27,6%. Là, je voulais donner. Donc 27,6 plus ça me donc donne 36,8%. Ok. Après, 36,6 plus ça me donne plus 10,7. Ça me donne 47,5%. Ok. Tac. Tac. Et vous l'avez compris. Tac. Ok. Donc. Excusez-moi. Alors, on est donc 47 plus 12,5, ça va me donner donc 60%. Ok. Et ensuite, donc plus 15, ça va donner 75,2. Et si vous faites le calcul aux arrondis près, évidemment, à la fin, vous arrivez à 100%. Ok? Alors. Je n'ai fait qu'additionner. Hein. On est d'accord? Je n'ai fait que les additionner. Donc, si vous voulez qu'on les représente un petit peu graphiquement, attention, donc là, 100, ouais, donc je vais faire un petit changement ici. Enfin, je les efface alors qu'en fait, j'ai pas besoin de les effacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, donc si j'ai, ici on va avoir 3%. Ensuite, on va avoir, hop, là, j'ai, à 3%. Ensuite, ici, donc on a dit 7,5, 13. 19,7 des 5, on est à 27,6, 36,8, 47,5, 60, 75,2 et donc 100%. Ok, et là, enfin 0%. Ok? D'accord? Donc, petit entraînement à la lecture. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être, nous être vraiment utile par la suite. Petit entraînement à la lecture. Ça veut dire quoi?
Si je prends par exemple, ah bah je vous demande en plus de faire une phrase, faites une phrase avec cette donnée-là. Donc ça veut dire que ici on a combien? Bah, on a, alors, attendez, pour pas que vous embrouillez, tac, 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 ok. Ici on va avoir, on est d'accord, les 40%, d'accord? 1, 2, 3. Enfin non, excusez-moi, 60, 60, 60, 60, 60. Les 60%. D'accord? Donc la phrase que je vais faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc c'est ma question 4. Donc ça veut dire que 60, les 60, 60% des ménages les plus pauvres. D'accord? Parce que ça, c'est les plus pauvres, on va être des plus pauvres aux plus riches, détiennent 36,8% du revenu disponible total. Ok, d'accord? Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 20% des ménages les plus pauvres détiennent 7,5% du revenu disponible total. Ok. Lisons celui-ci. Mes 90% des ménages les plus pauvres détiennent donc 75,2% du revenu disponible total. On est d'accord que là, je suis avec les plus pauvres. Et si du coup, je voulais parler des plus riches? Comment je peux parler des plus riches? Donc on est d'accord que quand je lis comme ça, c'est mes plus pauvres. Hein, d'accord? C'est là, ce sens de lecture-là. C'est les plus pauvres. Ou les moins riches, c'est comme vous voulez. Hein? Ok? Mais là, je veux parler des plus riches. Moi, je veux lire comme ça. Je veux lire comme ça. Alors, avant de faire la phrase pour celui-ci, pour que vous compreniez bien, entraînons-nous sur celui-là. Si on dit que les 90% des ménages les plus pauvres détiennent 75,2% du revenu disponible total. Ça veut dire que mes 10% les plus riches, ils vont en détenir combien? Si j'ai 90% qui détient 75% du revenu disponible, bah ceux-là, ils vont en détenir combien? Tout simplement, ils vont en détenir 100% moins 75,2, ce qui nous donne bien, on retourne sur notre valeur qu'on avait précédemment, hein, mais 24, alors là, ça va être 8, si je ne me plante pas. Ouais, alors c'était peut-être 7, mais c'est lié aux arrondis, ça, d'accord? 24,8. Donc, si je le lis comme ça, je peux dire que les 10% les plus riches détiennent 24,8% du revenu disponible. Ok? Alors faisons-le pour mes 60 pour. Alors attention, si je le dis là, on est d'accord, si je l'ai lu dans ce sens-là, donc c'était mes 60% les plus pauvres ou les moins riches. Ici, je vais avoir mes combien les plus riches? Bah, mes 40% les plus riches. D'accord? Donc, on y va. 40% des ménages les plus riches détiennent. Alors, détiennent combien? 100 moins 36,8. Ce qui nous donne, donc, je ne vous cache pas, c'est faisable de tête, mais je préfère ne pas me planter. 100 moins 36,8. Ça nous donne 63,8%.
1,2% du revenu dispo total. D'accord ? Donc les 40, eh ben ils détiennent 63%, ok, du revenu disponible total. Prenez le temps de vous familiariser avec cette façon de dire les choses. Là, on est d'accord qu'on a cumulé. Vous vous souvenez, les additions qu'on a faites, on les a faites dans ce sens-là, hein, ok ? On les a pas faites dans ce sens-là. Donc forcément, si je veux les donner dans ce sens-là, eh ben, va falloir que je soustrais. Bon, ok. Alors, pourquoi faut que vous maîtrisiez ces deux façons de lire les choses ? Parce que, en fait, comme l'indique notre courbe de Lorentz, eh bien, on va faire ça, nous, là, mais sur un graphique. Ok ? Alors, essayez, voilà, entraînez-vous avec ça, et on y va, nous. Ok, donc, vous voyez que vous avez ici un... oui, qu'on soit d'accord. Je ne vous demanderai pas, lors de l'évaluation, de construire une courbe de Lorentz, de calculer un coefficient de Gini, ou ce genre de choses. Hein. On est bien d'accord que c'est juste, c'est un moyen, en termes pédagogiques, c'est vous la faire construire. Je pense, pour vous, que c'est une bonne façon de comprendre comment on l'a fait. D'accord ? Alors, hop, hop. Bon, on est d'accord, on est à main levée, hein. Moi j'ai pas les quadrillages, vous vous les avez. Donc, on y va. Alors, on va graduer en mettant d'un côté les ressources cumulées et de l'autre côté la population cumulée. Alors, là les ressources cumulées, ça va être notre pourcentage disponible. Donc ici, on va mettre mes ressources cumulées. Ici, entre parenthèses, le revenu disponible. Et ici, on va mettre la population cumulée. Donc, hop, hop, vous avez, alors pour l'info, vous prenez deux carreaux, enfin deux petits carreaux, d'accord, pour faire une graduation, ok. Voilà, donc c'est deux petits carreaux, ça vous fait 10, deux petits carreaux, 20, etc. Donc on y va, 50, ici on aura donc 100, 50, 100, ok, et on y va, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, on a une tête bizarre, ma courbe. Hein. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, pardon, 70, 80, 90. Ok, ça veut dire quoi ? Et là, c'est mon zéro. Ça veut dire, là, j'ai 10% de mon revenu disponible total. Ici, 40% de mon revenu disponible total. 100% de mon revenu disponible total. Et pour la population, 1, 2, 3, oups là, 4, ouais, alors c'est, elle va vraiment avoir une tête bizarre. Bon, ok, je suis à la main levée, j'ai pas le graphique sous les yeux. D'habitude, je vidéoprojette ça histoire de pouvoir faire un truc un peu décent. Là, c'est un peu plus compliqué. 1, 2, 3, 4, ouais. Donc ici, j'ai 10% de ma population, 20% de ma population, 30% de ma population, 40% de ma population, 50% de ma population, 60%, 70%, 80%, 90% et 100%. Ok, donc on y va, là on est, donc là vous avez rempli ça, on est vraiment sur, on reporte les points. Ok, donc on y va, on va reporter les points. Alors, comment je la fais ? Non, on va faire. Donc, 0%, ils détiennent 0%. Ok, ensuite, mes 10%, là, 10% de la population détient 3%. Hop, c'est vraiment, vous essayez de le faire mieux, hein. 3% du. Oula, ouais, mon 3%, à mon avis, il est même très haut. On va le mettre là. 3% du revenu cumulé.
20% de la population détient 7,5, donc un tout petit peu plus haut. 30% de ma population détient 13%. 40%, on est à 19, 7. 50, on est à... Ça va vraiment avoir une tête un peu bizarre. 60, on est à 36. 36. 70, on est à 47. 80, on est à 60. 90 à 75. Et évidemment, 100 à 100. OK? Alors, donc, je vais faire la courbe. OK? Alors, ça nous fait un truc comme ça. Voilà. Vous excusez. Attendez. Je la refais. Je la refais, je la refais, je la refais. Vous, vous le faites évidemment proprement avec le petit quadrillage qui vous permet d'avoir une courbe digne de ce nom. Moi, je n'ai pas de quadrillage, je n'ai pas une courbe digne de ce nom, mais on s'en fiche. Alors, ça nous fait un truc comme ça. Mais en fait, ça c'est très important. La courbe de Lorentz, ça c'est ma courbe de Lorentz. On a tracé ma courbe de Lorentz. Ma courbe de Lorentz, on va toujours la comparer à ce qu'on appelle la droite d'écuirépartition. Si vous dites écuirépartition, écuirépartition, ça veut dire égal, répartition, répartition. Donc de la répartition égalitaire. Je le répète, on compare toujours du coup ma courbe de Lorentz, hein, ça c'est la courbe de Lorentz. Ouais, enfin, ouais, on est d'accord. Ouais, bon, on imagine. Ouais, voilà, là vous devez mieux le voir. C'est pas du tout droit, c'est pas grave. On est à 100%, on est à 100% ici. Hein. Ok, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Hop, parce que sinon vous êtes. Donc voilà. Hop, on est d'accord que le point que je veux atteindre c'est celui-ci. Donc on va se faire une courbe comme ça. Non, ça c'est pas assez courbe. Hop, désolé. Vraiment sans quadrillage, c'est ultra galère. Voilà. Bon, désolé. Ok, donc ça c'est ma courbe de Lorentz, on l'a dit. Courbe de Lorentz. Et on compare toujours ça à ma droite d'écuirépartition. Alors, la droite d'écuirépartition, donc comme son nom l'indique, écuirépartition, répartition, équitable et égalitaire quoi. On avait dit quoi tout à l'heure? Si j'ai une répartition égalitaire, hein, mais donnée qui était en verte, on avait dit là on avait 3, là on avait 24, on aurait 10 partout. Ça veut dire quoi une répartition égalitaire? Ça veut dire que donc 10% des gens ont 10% des revenus, 20% des gens ont 20% des revenus, 30% des gens ont 30% des revenus, etc. De telle sorte qu'à la fin, 100% des gens ont 100% des revenus, ça on est d'accord, mais c'est réparti équitablement. Et donc, ça me donne quelque chose comme ça. D'accord? Hop. Voilà. Alors. On compare toujours, donc ça c'est une droite, hein. C'est pas très droit, mais considérez que c'est une droite. Donc, là, ce que je vais vous dire, c'est important. On va apprendre, on va la lire, mais en fait, si vous savez lire ça, vous savez lire ça. OK. Maintenant, ce qu'il faut retenir de ça, ce qu'il faut retenir de ça, c'est quoi? Ma droite bleue, à droite d'écuirépartition, à droite d'écuirépartition, c'est la répartition égalitaire. Je ne peux pas avoir plus égalitaire que ça. OK? Donc, c'est une situation qui est, entre guillemets, rêvée. D'accord? Parfaite. OK. Plus je vais m'écarter de cette
droite d'écu répartition, plus la situation sera une situation inégalitaire. Illustrons les choses d'abord par la logique, ensuite par la lecture. Imaginons que j'ai une courbe de Lorentz qui ressemble plutôt à ça. Voilà. Alors, on est d'accord ? Ma droite d'écu répartition qui est la répartition la plus égale. Là, ma première courbe, je m'en suis un peu écarté. Là, je m'en écarte beaucoup. Donc, par rapport à l'égalité, je m'écarte de l'égalité. J'ai donc une situation qui est plus inégalitaire. D'accord ? Alors, maintenant, prouvons-le par la lecture. On va zapper ça. Zappons cette idée-là. Si... Alors, on va le faire peut-être... Là, on est très... C'est très faible. Faisons-le. Allez, à un moment, on commence un peu à avoir de la différence. Prenons, par exemple, pour 30%. Bon. Non, faisons-le... Allez, faisons-le pour le 20%. Regarde. Pour le 20%. Donc, ici, j'ai 20% de ma population. 20% de la population. Ok. Sur ma droite d'écu répartition, elle détient 20%, d'accord, 20% aussi, des richesses. Ok. Sur ma première courbe de Lorentz, je peux lire que dans l'idée, bon, c'est pas le bon chiffre, hein, mais là, je vais être, allez, environ à 10%, d'accord. Et ici, imaginons, voilà, on va dire, allez, c'est à peu près 5%, ok, 5%. Donc, on voit bien que ici, 20% de la population, dans une situation parfaite, devrait détenir 20% des revenus. Ça n'est pas le cas. Ces 20% de la population ici détiennent 10% sur ma courbe pleine des revenus. Et sur cette courbe pointillée, ces 20% de la population ne détiendraient que 5% des revenus. Ok ? Alors, maintenant, on peut le confirmer avec une autre lecture. Hein. Imaginons là, donc 50% de la population, la moitié de la population, détient la moitié des revenus dans une situation égalitaire. Dans cette situation-là, où ils en détiennent, bon, allez, 20, bah justement, là, ouais, on n'est pas trop mauvais, 27%, hein, ici, tac, 27%. Et dans cette situation-là, moitié de la population détient à peu près 10%. D'accord ? Là, on serait à 27. Et là, on serait à 10%. 10% ici. Hein. Ok ? Continuons. Ici, dans cette situation-là, mes 90% détiennent à peu près 90%. Ok ? Ici, mes 90%, bon, bah, on a dit, voilà, si on est à peu près là, on est aux alentours de mes 75%, hein, et on serait ici, 90% qui détiendrait, allez, on va dire, 30%. De... Ok ? Donc, par la lecture, on peut aussi prouver que là, j'ai 90% de la population qui a 75% des revenus, alors que là, j'ai 90% de la population qui ne détient que 30% des revenus. Ok ? Donc, par la lecture, on peut aussi prouver ce qu'on vient de voir. Alors, qu'on soit bien d'accord, pour l'instant, on n'a fait que des lectures en parlant des plus pauvres. Vous remarquerez que là, je n'ai lu les choses que de cette façon-là. Eh bien, de la même façon, on va pouvoir comparer en parlant des plus riches. Mais dans ce cas-là, évidemment, il va falloir lire de cette façon-là. Et donc, tout comme ici, pour pouvoir lire de cette façon-là, il fallait faire une soustraction sans moins le chiffre, et bien ici, ça va être le même combat. On va faire 100 moins le chiffre qu'on trouve, d'accord ? Pourquoi ? Parce que les chiffres qu'on a trouvés ici, vous avez bien compris, c'est des pourcentages cumulés. On a pris 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10, d'accord ? Donc, si on veut les 10% dans l'autre sens, eh ben, on doit faire 100 moins le chiffre trouvé. Alors, faisons-le
Faisons-le, pour simplifier, pour mes 10% les plus grands. Alors, hop. Tac, voilà. On va le faire pour les. Donc, ici, d'accord. Je vais le dire. On a dit que 90% de qui? Des plus pauvres détenaient 30% du revenu disponible sur cette courbe pointillée et 75% hein, du revenu disponible sur cette courbe pleine. Ok, du coup là je vous demande combien possèdent les 10% les plus riches. Donc mes 10% les plus riches, hein, ils sont là, les 10% les plus riches. Ça c'est mes 10% les plus riches. Là, on était les moins riches ou les plus pauvres, d'accord? Les 90% les plus pauvres. Ok. Eh bien, de la même façon qu'on l'avait fait précédemment, je vais devoir soustraire par rapport à 100%. Donc, ces 10% les plus riches détiennent donc 100% moins les 30% qui appartiennent aux autres. Ça nous donne donc 70%. OK? Et ici, bah, mes 10% les plus riches, ils détiennent donc 100% de la fortune moins les 25, et moins les 75% détenus par les plus pauvres, ce qui nous donne 25%. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que la courbe de Lorentz, vous serez amené à en lire, d'accord? Y compris potentiellement pour le partiel. Donc, il faut vraiment que vous compreniez bien ça. Donc, si je lis pour les plus pauvres, je lis comme ça. Et dans ce cas-là, vu que j'ai additionné mes plus pauvres, il n'y a pas de problème, je peux lire directement mon chiffre. Si je veux lire pour les plus riches, d'accord? Vu que je les ai additionnés dans ce sens-là, il va falloir que je soustrais, d'accord? Soustrais par rapport à 100%. Donc, ici, mes 10% les plus riches, on l'a dit, ils détiennent 70% de la richesse totale, du revenu disponible total. Ici, mes 10% les plus riches, ils détiennent 25% de mon revenu disponible total. Donc, c'est une autre façon de comparer. Est-ce que là, c'est plus égalitaire que là? Bon, bah, si sur ma courbe d'équirépartition, mes 10% les plus riches, ils vont détenir 10% de la richesse. Ici, ils vont détenir 25% de la richesse. Et ici, ils vont détenir 70% de la richesse. D'accord? Ok? Donc, voilà, des courbes de Lorentz, la courbe de Lorentz, c'est une façon visuelle, directe, de comprendre les choses. Ok. Et donc, par exemple, je vous dis que ça, c'est la France. C'est la France en plus, c'est la France. Ça, c'est la France. Imaginons que je vous dis ça, c'est les USA, c'est les États-Unis. Hop, du premier coup d'œil, vous me dites, aux États-Unis, la répartition des revenus est plus inégalitaire que celle en France. Ok, est-ce que c'est bon pour ça? Alors, entraînez-vous à le lire. Entraînez-vous à le lire et on va terminer. Tac. On va terminer en parlant de mon petit 3, le coefficient de Gini. Alors, je ne vais pas effacer la courbe de Lorentz. Pourquoi? Bah, parce que. Donc, oui, au passage, si on lit la suite là. Tracer la droite d'équirépartition. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Hein. Voilà. Alors, attendez que je réfléchisse. Ouais, ça, on peut l'effacer, ce sera plus clair. Alors, voilà. Donc, je vais garder ça. Plus la courbe de Lorentz est loin de la droite d'équirépartition, plus il y a d'inégalités. Ça, c'est le théorique, mais on l'a vu en pratique aussi. On a vu en pratique par le calcul, enfin pas par le calcul, par la simple lecture. Ok, hop, tac.